D'habitude, je suis une artiste très intuitive. Je n'ai pas reçu de formation. Et quand les mots me quittent, que je m'oriente vers ma peinture, mon mode d'expression par excellence. Je suis artiste intuitive, mais c'est la première fois que je suis inspirée par un thème, celui de la remigration, celui de la mémoire. Et automatiquement, moi qui suis généralement dans la peinture abstraite, je me suis orientée vers une autre recherche pour passer de l'abstrait à une autre peinture plus impressionniste, faisant référence à notre état de l'âme, état de l'être dans ces différentes dimensions. Et surtout, garder un lien d'attache avec nos racines, notre identité, nos histoires respectives, nos histoires collectives aussi, et la peindre avec les couleurs de l'âme, notamment ces couleurs qui nous passionnent, les couleurs de blanc, du bleu, de l'étendue, des couleurs un petit peu plus sombres qui expriment un petit peu la complexité de notre âme, la complexité de notre pensée, la complexité de nos sociétés également, et laisser surtout le récepteur voyager à travers un esprit, bien évidemment libre, un esprit qui a envie de retrouver peut-être sa terre d'attache, mais également retrouver les profondeurs de son âme. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu mon...